bien, c'est tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man, évidemment avec l'épisode 32. Et on va continuer notre aventure principale. Let's fucking go. Et on va commencer par un petit Crims, évidemment. On a beaucoup de points de compétence à se mettre. On va se la mettre, si je puis me permettre cette expression. Installez-vous confortablement, 4K 60fps, évidemment. Et là, on est parti, le jeu toujours aussi sur Limbs. Je peux vous le dire. Ok. Je préfère faire ça. On sait jamais. C'est moi que vous voulez avoir. Ok. C'est quoi ça? Ok. C'est terrible. Ok. C'est quoi ça? C'est le père. Non, c'est pas vrai. Je me demandais si on pouvait un peu corser les choses. Waouh! Oh là 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 là! Mais c'est terrible! En fait, chaque petite mission maintenant, chaque petit crime, c'est ça réunit tout le monde. Ça réunit Kraven. En l'air. Ouh, c'est quoi ça? Quelqu'un peut venir m'aider? Oh non, pas toi. Pas de problème. Allez, on va jusqu'au bout. Une merci Spider-Man. 700 mètres, ça nous rééloigne de notre quête principale. C'est terrible. Ok, c'est pas grave, allez, on va y aller. Bon, on commence les épisodes en ce moment, les amis, par des petits crimes en ville. Je vais pas vous cacher que ça chicote, ils sont très 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 compliqué. Oh. Et en plus c'est un endroit où il y a quasi pas de building, putain. On arrive, vous êtes super. On arrive, vous êtes super, vite fait, hein. Allez. Et voilà, je vous laisse entre des mains. Bon, c'est les premières minutes. Soit dit en passant, bon. Mon copain est ton plus grand fan. Un APT. Il y a un drone au-dessus, les amis. Il y a un drone au-dessus, les amis. On va le faire, mon petit père. Je te le dis, on va le faire, mon petit père. Je rappelle que les drones, ça permet d'avoir après l'identité d'un méchant qui a un jour été dans l'univers de Spider-Man, voilà, dans le multiverse ou autre. Donc, ça permet d'avoir un futur méchant. C'est où, ce truc-là? Ok, d'accord. Allez, on est parti. Téléchargement de données en cours. Et vraiment stylé, c'est un bon. Ouais, ouais, vite fait, le temps à tuer. Les drones vont m'aider à empêcher une nouvelle chasse de travail. Ok. C'est de plus en plus dur en plus, hein. C'est infernal. Hein. Ça fait que de tourner. Ça va qu'ils tirent pas de trucs. Oh oui. Toujours plus. On est dans l'excès. Ça passe carrément maintenant à travers des bâtiments. Pourquoi pas? Avant de perdre toutes les données. Moi j'ai rattrapé. C'est dur, frère. Ça prend 10% de récupérer. Le fils.
Ok, les données ont l'air complètes. C'est dur. Allez, quel est le méchant? Encore? Ah non. Décédé il y a 2 ans, quoi? Si on en croit les données, cette personne est morte il y a 2 ans? C'est certainement une erreur. Encore un espion. Aïe. Faut qu'on se débarrasse des jouets de Kravan. Ok, bon, est-ce que on peut continuer notre aventure principale? Je l'espère. Il en reste encore à récupérer hein, des méchants. On va d'ailleurs par la même occasion, comme on dit, by the way, se mettre nos points de compétence. On va faire les choses bien avant de continuer notre aventure principale, évidemment. Ok. Ouais. Allez, on y va. Wouh. Ok, on a un petit coffre ici, ça fait plaisir, on aime. On aime. Ok. Allez, ça, c'est fait. Attaque de bus. Non, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Sinon, on va plus avancer, c'est terrible. C'est terrible, et moi, j'ai envie d'avancer parce que j'aime avancer dans la vie. Toujours avancer dans la vie. Allez. Ok. Ok. Bon. Alors, attendez. On va se caler là quand même. Oh non! Marie n'a pas chômé. Ouais. Heureusement, l'équipe de nettoyage est arrivée. Alors attendez. Petite pause là, s'il vous plaît. On va se mettre des points de compétences. On en a 5, c'est énorme. Alors, il se recharge le speeder barrage un peu plus vite. Un coup de poing sémiotique projette les brutes en arrière. Ok. C'est pas mal ça. Allez, on va prendre ça. Ensuite, on peut prendre ça. Voilà. Là, pour les deux, on peut quoi? On peut prendre ça, par exemple. Et il m'en reste 2. On va prendre ça. Voilà, on est super bien, là, les frérots. Et ensuite, pour les gadgets, là, ça peut être aussi très intéressant. Déjà, niveau santé, je pense qu'on peut se la mettre. Non, il me manque... Oh, waouh, un jeton de héros, ça fait mal. Ça fait mal par où ça passe. En concentration, qu'est-ce qui me manque, là, les bibiches? Ralentit le temps pour que vous puissiez... lorsque votre santé est critique. Ça, c'est pas mal, ça, en vrai. Pour récupérer pendant la santé critique. Augmente la quantité de santé regagnée grâce à la concentration. C'est très bien. Et là, malheureusement, je ne peux plus rien faire, étant donné qu'il me manque des jetons de héros. C'est encore allez. Pire que ce que je pensais. Au casting de Harry, il est forcément ici. Yankee m'a dit qu'il y avait des civils coincés à l'intérieur. Apparemment, cet endroit leur servait d'abri. On les sortira de là sans et sans. Ok. Attends, mais d'où ils sortent tous? On dirait qu'ils veulent se faire une armée. On se la fait à deux, mon petit Miles. C'est qu'il essaie de guérir le monde. Je reçois des messages sur la fibre dans de personnes à l'intérieur de l'hôtel de ville. Ils essaient d'évacuer par le toit. Il vaut mieux dégager le passage. Il y a une sortie de secours là-haut. On y va. C'est évident tout ça. Waouh. Yo. Ça mon pote. Ah oui, bah lui il a pris pour tout le monde. Voilà des bonnes nouvelles. Ils sont infernales les roses, hein. Je les supporte pas, ceux qui jettent les petites araignées explosives là. Ça va falloir s'en occuper très très vite de ces conneries. Ok. Allez. Ça c'est stylé. Je crois que c'est la première fois qu'on fait ce coup là.
On m'a signalé une fenêtre cassée quelque part dans le bâtiment. Allez, Maes, il faut qu'on se dépêche. C'est pas pour vous presser, mais ça a l'air d'être chaud là-dedans. On est sur le coup. Allez, toi. Bon. On est sortir de là. J'assure. Allez, il meurt. Merci. Bébé. Allez. Superman, on peut ouvrir la porte. Bien sûr, je m'en occupe. Ah. Bon sang, on a affronté le moindre crime, on en a affronté deux en même temps, c'est ok. Hop, mort. C'est pas vrai. Superman. Vous faites là. Est-ce que tout va bien? Spider-Man! On m'a dit qu'il restait de ces choses à l'intérieur de lui. Je vois. Je pense que je peux réussir à les retirer. Mais je dois aller à la source. Alors j'y vais avec vous. Waouh! On fait quoi maintenant, Lee? Trouver Spider-Man. Cette matière noire devrait nous conduire à lui. L'avantage de faire les quêtes annexes comme on fait, c'est qu'après tout paraît un petit peu plus simple. D'accord. J'arrive. Mais au fait, on est où? Nous sommes dans l'esprit de Spider-Man. J'ai vu ce que font ces créatures aux habitants de la ville. Ils entrent dans leur tête, corrompent leurs désirs. Alors, ils vous font de la concurrence? Je sais que tu plaisantes, mais tu ne crois pas si bien dire. Cette chose, elle craint le pouvoir d'une certaine façon. Et je... Non. Nous sommes les seuls à pouvoir trouver où elle vit. Donc on élimine cette chose à la racine, et Spider-Man est libre? Oui, c'est le plan. Alors d'accord. Tout paraît pas si simple, hein, tu te doutes bien. Quoi, cette grosse bête là, c'est... Il a plus d'emprise sur lui que je le pensais. Ok. On affaiblit le symbiote. On reprend le contrôle. Grâce à nos pouvoirs, on sauve Spider-Man. Par où on commence? On doit trouver la source de sa souffrance. Suis-moi. Je vais te mener à l'endroit le plus sombre. Mais j'ignore ce qu'on y trouvera. Personne qui l'a arrêté. Je comprends pourquoi Spider-Man a choisi cet endroit. Après tout, nous sommes tous ici à cause de lui. Il protège New York. Oui. Mais la prison ne suffit pas à résoudre tous les problèmes. Comme si je ne le savais pas. Ok. En bas, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Je crois. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fait souiller. C'est une évasion.
Je suis étrangement soulagé de vous voir. Je tâcherai d'être à la hauteur. Aïe ! Il y en a d'autres ! Encore ? Ok. Allez ! Rien à faire ! J'arrive pas à les ralentir ! On doit continuer à se battre ! Ouais, je continue, je lâche pas mon frérot. Hein. Ces gens qui l'ont arrêté ! Ils reviennent sans arrêt ! Ça doit être frustrant d'arrêter des criminels pour les voir s'enfuir et causer du tort à nouveau. Ça fait partie du job. Il le sait bien. Comment ça ? Et de croire aux secondes chances ! C'est bon, retour, on est un petit peu plus tranquille. Waouh ! Waouh ! Oh mais... ça suffit ! J'ai compris ! C'était vous, ça ? Non. Le symbiote. Il les a tués. Il a résolu le problème. Ce n'est pas ce que pense Pete. Non. Mais c'est peut-être ce qu'il ressent. Ah, il laisse le symbiote pour l'aider à soulager... sa peine. Si je peux penser sincèrement que le costume réglerait tout. Ok. Est-ce que c'est... moi ? Vous l'avez beaucoup fait souffrir. Une dette. Que je devrais rembourser tout le reste de ma vie. Il y a quelque chose droit devant. Tu es proche. Wow. La maison de May. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'elle, Pete. Qu'est-ce qui cloche chez moi ? Quand on reste obnubilé par une facette de notre vie. Le reste tend à s'effacer totalement. Quelle bonne surprise! Viens me voir. Oh non. La recherche de l'équilibre est un marathon. Ce n'est pas un sprint. C'est elle. Elle est morte à cause de vous. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Alors, c'est votre chance de vous rattraper. Peter? Pouvoirs ont bien le même effet ici. Ouais. J'ai l'impression. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Nous voilà au fist. Ah, c'est le trou qu'il avait dans son mur. J'ai dédié toute ma vie à cet endroit. Et c'est certainement la dernière fois que je vois l'intérieur d'aussi près. Même si je ne le mérite pas. Lee, pourquoi vous avez fait ça ? Vous vouliez quoi exactement ? Me venger. Mes parents sont morts à cause de Norman Osborn. Alors j'ai tout fait pour que sa vie soit un véritable enfer. Mais finalement, tu as perdu ton père. Peter a perdu May. Et j'étais trop obstiné pour réaliser que j'étais devenu ce que je maîtrisais. Je suis désolé, Miles. Là-haut, c'est la source. Si on s'en débarrasse, nous devrions pouvoir le sauver. Un autre moyen. Peut-être que... Il y a bien une autre option. Si j'arrive à transférer tout mon pouvoir vers le symbiote, ça pourrait le neutraliser et délivrer Peter. C'est pas risqué pour vous ? C'est ce qu'on va découvrir. Bon. Si... c'est ma dernière chance de vous parler, franchement. Je vous pardonnerai pas. J'en suis pas capable.
Mais je peux pas continuer à vous détester comme ça. Alors on règle ce problème. Tous les deux. Allez, bon, c'était sûr. On va voir s'ils aiment ça. Galvanisation. Pourquoi ne pas m'avoir donné ce pouvoir avant? Ça m'aurait aidé. Je l'ai pas donné. Ah bon? Pas mal ce pouvoir, hein. Oh, il y a des gens de l'autre côté. C'est quoi, c'est un encouragement? Est-ce que tout va bien? Très bien! Vite, repousse-les! Je suis comme bloqué dans la matrice. Stop, 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 on se calme. On se calme, oh, les potes. Miles, je voulais te remercier de m'avoir fait confiance. Ouais, ben, il est mort, le frérot. Comme vous dites, soyez à la hauteur. Essayez ma méthode, un de ces quatre. Franchement, comme héros, j'aurais pas été très convaincant. Essayez, et vous le saurez. Ok. Fouh. C'est chiant d'être bloqué dans un coin, hein. Miles, à l'aide, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit père? Bah alors? Je comprends pas. Bah. Les gars, allez, y a un bug. On y est presque. Il y a un bug. Ah oui, d'accord, je devais faire un pouvoir n'importe quel. Waouh, c'est terrible. On était un peu buggé en fait, il y avait que L1, mais il n'y avait pas le reste affiché. Ah, il est en couleur, ça sent pas bon ça. Lorsque les symbiotes ennemis sont exposés à vos attaques anti-venom, ils sont affectés par l'anti-venom et subissent des dégâts supplémentaires. C'est bien plus qu'une nouvelle tenue. Allez. Wow, ah oui. C'est quoi ça? Nice. Ça sort d'où ce truc? Avec lui, on a allé dans ta tête pour supprimer les restes de symbiotes. Il a dû se vider de ses pouvoirs pour te sauver. On dirait bien que ça a marché. Attends. Vous avez fait équipe? J'allais quand même pas te laisser mourir. Miles, force de trop te dire merci. J'ai l'impression que ça en perd de sa valeur. Oh là 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 là. Je ne mérite pas ce petit. Ah.
vérité? Oh là, c'est incroyable! Ok les gars, matez mon L3 R3, mon super pouvoir, super power. Ça va être incroyable. Ah non. Oh! Non mais les gars, les Spider-Man d'après, ça peut être. Bien failli te perdre. Je devrais vous remercier. J'ai gaspillé des années de ma vie à courir après la vengeance. Et au final, j'ai tout perdu. Vous m'avez rappelé que je valais mieux que ça. Que sauver une personne, c'est sauver le monde. Qu'est-ce que vous allez faire? Arranger les choses. Comme vous. Wow. T'as reconverti ton ennemi juré. Moi, j'ai jamais fait ça. MJ a peut-être raison. La ville n'a plus vraiment besoin de moi. Puisque tu es là. Je suis pas sûr. J'ai quand même l'impression que deux Spider-Man ne sont pas de trois. Fichons le camp d'ici. Eh bien, les amis, c'est quelque chose, hein, je peux vous le dire. Hein. Venom blanc. Incroyable. Bon, je l'appelle Venom Blanc, mais pas il s'appelle encore. Peut-être Anti-Venom, je J'ai ne sais pas. J'ai eu un contre-temps. C'est incroyable. Je crois que Miles m'a sauvé la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, on a débloqué d'autres traces de symbiote en moi. Ça a commencé à prendre le dessus, même. Martin Lee m'a donné son pouvoir. Mais c'est différent. Les voix sont parties, il reste plus que le pouvoir. C'est incroyable. Et Pete, je voulais juste que tu saches. On a retiré ma signature de l'article. J'ai aussi donné mon préavis. Ça veut dire que... Ça veut dire que si jamais le monde doit se transformer en cauchemar alien, c'est avec toi et personne d'autre que je vais me retrouver en lui. Bah, c'est réciproque. Continue de chercher, Harry. Je te fascine si j'entends quoi que ce soit. Ok, pendant que je cherche Harry, je devrais regarder qui a besoin de mes speeder services. Quoi ça? Comment on peut faire? Waouh! Qu'est-ce que c'est? Attendez. Attendez, comment on peut faire ça? Comment on peut récupérer ce merdier là? Alors que notre civilisation connaît l'une de ses heures les plus sombres, un héros se dresse. Écoutez là, j'avoue, je l'ai pas. Spider-Man est donc devenu un passionné de mode, au point qu'il préfère changer de tenue 20 fois par jour, plutôt que de venir en aide aux forces de l'ordre. Je ne sais pas à quoi j'étais. Il a l'air bien plus intéressé par sa garde-robe que par la menace permanente
qui pèse sur notre ville. Ces créatures viennent nous terroriser, chez nous. Mais nous en faisons pas. Les Spider-Man ont une jolie garde-robe et seront sur leur 31 pour assister ça, à la fin du monde. Ah, vous n'avez toujours pas compris? Ce sont des lâches, des égoïstes, des sociopathes. Ils n'en ont rien à faire de nous. Pour être tout à fait honnête, de toute ma carrière, jamais je n'aurais imaginé faire un sujet aussi trivial sur eux dans un moment tel que celui-ci. Mais, chers auditeurs, la vie nous réserve bien des surprises. La seule certitude que l'on puisse avoir, c'est que les Spider-Man continueront à servir leurs propres intérêts. J'étais dessus. Non. Bon allez, c'est bon, ça c'est le genre de truc vraiment prise de tête qui est infernal. On va s'arrêter là, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. On ira faire un tour dans le menu. Évidemment, on a beaucoup de points à se mettre. Allez, bisous tout le monde. Bye bye. Docteur Connors? Allô? Il est là, dans mon labo. Je dois appeler Miles et rappliquer vite fait. Miles, retrouve-moi au labo de Connors. Je crois qu'Harry est là-bas et ça se présente mal. J'arrive.